Oh, ça fait mal aux fesses. J'espère que Sophie me regardait pas. Tous ces obstacles couverts d'huile, c'est vraiment la tuile. Lui aussi est tombé sur vérité. Et la question est, à ton humble avis, quelle est, parmi toutes les candidates, celle qui est la plus séduisante? Tu pourrais pas me poser une autre question? Je voudrais surtout pas leur faire de peine. Elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Je n'ai pas que ça à faire, Eugène. Si j'en choisis une, les deux autres se douteront de quelque chose. Il faut que j'en choisisse une quatrième. Qui soit tellement cinglée que les autres prendront ça pour une blague. Mais laquelle? Hé, c'est moi! Hein? Oh oui, tout à fait! C'est Cynthia! Menteur, menteur, Eugène est un gros menteur. Et on finit par disjoncter, à force de vouloir cacher la vérité. On sait que tu es le meilleur, pauvre raton laveur à poils roux. Pitié, ne me pose plus de questions vérité, s'il te plaît. Eugène, pour cette dernière épreuve, il ne faut plus être sincère, mais très courageux. Quoi, sérieux? Ah, wouhou! Alors, on fait moi la maligne, hein? Tu pourras plus jamais m'électrocuter. Et puis, tu sais quoi? Je vis dans une ferme et j'avale 6 œufs frais par jour. 6 œufs délicieux! Calme-toi, Gloucette. Reste professionnel. Le joueur de l'équipe Mosquak est... Aurore! Tu peux y aller, j'ai peur de rien. Et moi, j'ai peur des pandas. L'épreuve est toute simple. Dans chaque sac se trouve la télécommande permettant de foudroyer l'équipe opposée. Le premier qui réussit à dénouer la ficelle et à appuyer sur le bouton pour envoyer une décharge à ses adversaires sera déclaré vainqueur. C'est à vous. Vas-y, envoie-lui une décharge. Si c'est lui qui gagne, on va tous recevoir une décharge. Je suis prête à en payer le prix. Non, impossible de dénouer la ficelle, j'ai pas les doigts assez forts. Moi, je n'ai pas eu la moindre difficulté. Voudrais-tu que je t'aide? Oh, Jasmine, Max et Sophie. Eugène, tu risques de faire tes valises parce que tu as fait subir à ton équipe pas mal de décharges électriques en étant incapable de dire la vérité. Arlette, tu pourrais quitter l'aventure parce que... Comment dire? Parce que tu... Enfin bref, tu es sauvé pour cette fois. Oh. Je suis pas vraiment surpris que ce soit moi qui parte, vu la façon dont j'ai joué avec le cœur de certaines filles. Je dirais plutôt que tu as joué avec ton imagination. Vas-y, continue. Puisque je dois vous quitter, autant avoir la conscience tranquille. Jasmine, Arlette, Sophie, j'espère que vous comprendrez. Je voudrais vous... comment dire? C'est une question d'amour et de crotte de calébou. C'est la vérité. J'ai été foudroyé, pas seulement à cause des décharges. Rappelez-vous l'assiette de porcelaine. Ça se brise, comme le cœur. Ouais. Ça va, on a compris.